La colère. Souvent, on est en colère, des fois pour un rien, des fois pour des trucs bien plus, comment on peut dire ça, logique, hein. On y va. Salut l'ami, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien grâce à Dieu. Je vais te raconter quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Et la façon dont j'ai réagi. Et après, je te montrerai des versets bon, qui vont te faire comprendre comment il faut réagir ou comment il ne faut pas réagir. Je vais modifier certaines choses, mais je ne modifierai pas la réaction et je ne modifierai pas l'histoire même. J'espère que tu as compris, hein. C'est pour éviter que quiconque se reconnaisse à travers cette histoire. Alors, depuis quelques années, je discute vite fait avec une personne, ok? Cette personne, on va l'appeler personne X. C'est pas des conversations profondes, c'est pas des conversations non plus pas profondes. Hein. C'est juste que on parle, mais c'est pas une personne à qui je confie mes secrets. Un jour, il y a eu un conflit. D'accord? Il y a eu un conflit où personne X, elle a fait quelque chose que ça se fait pas, d'accord? Ça m'a blessée et je me suis dit, heureusement que c'est pas une personne qui m'est indispensable ou comment dire, c'est pas une personne que je considère vraiment. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, c'est pas ma pote. Un jour, les choses font que je croise personne X. Elle est entourée de ses potes, hein, de ses amis. Et là, tous ses amis, ils viennent sur moi. Ils viennent tous sur moi pour m'accuser ou. Comme si moi je devais demander pardon à cette personne. La personne X, elle a commencé à. Tu vois, les locaux disent que. Elle s'est montée en l'air. Moi je restais silencieuse. En fait, je regardais le spectacle. Je regardais le spectacle et je me disais quand même dans mon cœur, c'est dommage d'en arriver là. Donc, j'ai quand même appelé cette personne. Donc, je l'ai appelée. On a discuté au téléphone et je lui ai dit. Bien que je ne comprends pas pourquoi tu m'as fait telle ou telle chose, sache que moi, vis-à-vis de toi, l'histoire est oubliée. Les jours sont passés. Et puis je prie. Et puis je dis, Seigneur, bon, par exemple, cette histoire-là, j'ai dit, Seigneur, moi, je ne comprends pas pourquoi de telles choses se sont faites alors que bah, moi, je suis une personne, je fais beaucoup attention à ce que je dis, à ce que je fais. Je suis beaucoup, beaucoup sous la réserve. Et des fois, on me dit que. Très souvent, on me dit que je suis très, très, très renfermée. Mais c'est parce que je suis très observatrice. Pendant que je priais, j'ai compris que j'avais grandi et que j'avais su écouter le Saint-Esprit. Je t'explique pourquoi. Parce que, comme je te disais avant, j'aurais pu lui répondre et j'aurais pu vraiment la blesser dans son orgueil et face à ses amis. Et là, c'est quand j'étais en train de subir tout ce que les gens disaient sur moi. C'est là que, en fait, j'ai senti qu'il fallait pas que je parle. Et du coup, j'ai relevé plusieurs passages de la Bible, hein, sur tout ça, pendant que je faisais mon culte. Donc, dans Romains 12, verset 19, il est dit: Ne vous vengez point vous-même, à moi la vengeance et la rétribution, dit le Seigneur. Donc, déjà là, je me suis dit: Seulement, tu vois, tu peux me piquer, hein, mais si jamais tu continues dans tes histoires, des histoires de gamins, moi, je ne me vengerai pas. Je laisse Dieu faire pour moi. Et crois-moi, ça va être plus dur. Dans Proverbe 19, verset 19, c'est marqué: Celui que la colère emporte doit subir les conséquences. Donc tu peux passer dessus, passe dessus. Parce que je suis sûre que tu ne peux pas suivre les conséquences. C'est pas grave, si on pense de toi que tu es faible, que tu n'as pas de personnalité, que tu n'as pas de caractère, j'ai envie de te dire, tant que moi, vis-à-vis de Dieu, tout va bien, ton avis, je suis désolée, mais il m'importe peu. Ensuite, un passage que j'ai aimé, mais j'ai aimé parce que je me suis dit, ah, Caroline, vraiment? Proverbe 28, verset 8, ça dit, les sages calment la colère. C'est qui a calmé la colère entre nous deux? Personne X, est-ce que tu m'entends? C'est qui a calmé la colère entre nous deux? C'est toi ou c'est moi? C'est moi. J'ai calmé la colère. C'est la sagesse. Je rigole. Hein. Ensuite, il y a un autre passage. C'est hey, frère, écris tous les passages que je te dis là. Hein. Surtout si toi, tu es quelqu'un de colérique. Écrit Proverbe 16, verset 32, Celui qui est lent à la colère est mieux qu'un héros. Celui qui est lent à la colère est mieux qu'un héros.
Si tu es lent à la colère, tu es plus fort que Superman. Tu es mieux que Superman, tu es mieux que Batman. Et donc, le dernier verset que je voulais te dire, Proverbe 22, verset 24, ne fréquente pas l'homme colérique. Personne X, c'était une personne que je voulais qu'il y ait une bonne entente entre nous. Ok, je voulais qu'il y ait une bonne entente entre nous parce que personne X, c'était une personne que j'allais côtoyer beaucoup. Et aujourd'hui, c'est pas une personne que j'ai envie d'avoir dans mon cercle d'amis. Je veux des personnes qui me mettent du soleil dans ma vie et qui me boostent, qui me donnent envie d'être meilleure chaque jour, tu vois. Je m'entoure de personnes positives. Je ne veux pas autour de moi des personnes négatives. Je veux pas. La vie est déjà trop dure, hein. Les informations sont déjà trop lourdes pour que j'ajoute à tout ça des personnes qui vont me bouffer le moral. Je suis sûre que tu as déjà été en colère dans ta vie. Mais je pense que il faut pas que tu gardes la rancœur, la rancune ou la rancœur, je sais pas ce qu'il faut dire avant ces moments-là. Mais il faut que tu arrives à pardonner cette personne qui t'a blessé. Quand tu pardonnes une personne, parce que moi par exemple, j'ai vraiment pardonné personne X. Et tu sais pourquoi je sais que j'ai pardonné personne X? C'est parce que quand je pense à la personne X, dans mon cœur, il n'y a aucune haine. Il y a plutôt beaucoup d'amour en fait. Personne X, quand je prie pour elle, des fois j'ai les larmes aux yeux. Parce que je veux tellement que cette personne en fait soit touchée par l'amour de Dieu. Et je pense que c'est là que tu peux voir que tu as vraiment pardonné quelqu'un. C'est quand tu lui souhaites le bonheur et que tu lui souhaites la plus belle chose qui peut arriver dans sa vie, donc de rencontrer Jésus, tu vois ou pas. La colère, c'est quelque chose de normal. Mais il faut pas la cultiver, il faut pas la soigner, il faut pas la chouchouter, tu vois, la colère. Quand elle vient, tu as le droit de te mettre en colère. Mais t'as pas le droit de rester en colère. Ah, je vais les cliquer sur cette phrase. Écoute, hein. Tu as le droit de te mettre en colère, mais tu n'as pas le droit de rester en colère. Ouais, ça va s'arrêter là. Bisous.